Ambiance des grands soirs footballistiques. Nîmes Olympique, en s'imposant 4 à 1, met un terme aux 8 matchs sans défaite des Chamois niortais. Belle victoire, mais je pense qu'elle est un peu disproportionnée par rapport au contenu du match en lui-même. Mais notre force, ça a été de respecter notre adversaire. Les retardataires ont eu tort encore une fois. 4 minutes de jeu et Romain Sartre de la tête ouvre le score pour Nîmes Olympique. Niort va égaliser 120 secondes plus tard et sur un contre. Et cette chevauchée extraordinaire de plus de 80 mètres, l'action de cette 26e journée. Sissoko est déséquilibré par Florival. Ce dernier prend un carton rouge. Et sur le coup franc qui suit, Vincent Granic trompe Delecroix. À la pause, Nîmes mène 2 à 1. On retrouve Sissoko intenable vendredi soir. Passe décisive de Poulain, crochet et frappe enchaînée du joueur de couloir gauche égale 3 à 1 pour les Nîmois. Et sur un nouveau coup franc, Vincent Granic marque son 7e but de la saison et le 4e de sa formation face à Niort. On a besoin de points là, on voit qu'au classement, même en faisant des bons résultats, on est toujours proche du premier relégable, donc voilà, il va falloir s'accrocher. Ce sera encore une saison avec un maintien à beaucoup de points, donc c'est des points de prix ce soir. Cette victoire permet aux Nîmois de gagner 2 places au général. Les voilà 15e.